Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue au Sous TV La Caille. Jeudi, c'est dimanche 21 novembre 2021. C'est donc 7e sortie nous. Et Nabdou, merci pour ceux-là qui toujours été connectés sous TV La Caille. Ou même tout qui toujours regardé vidéo nous, mais qui peut vous abonner à notre canal Zahan, à Mando. Et bien, fais ça rapide vite, guys. C'est un moyen pour aider nous et nous même tout. N'a toujours là pour nous porter information pour vous causer à parler dans toute la rue, dans le pays d'Haïti, dans tout pays à l'étranger. Ok, et bien, ils ont finalement joué un bourgeois qui était payé missionnaire pour assassiner le président républicain Jovenel Moïse. Qui nous a invité tout le détail là, et bien, on va le donner quand c'était comme bourgeois ça, on mettait ensemble pour et bien, fait assassiner le président dans la date 6 pour le 7 juillet 2021. Sans parler en pile, on entre directement en dans information. Moins 18 obstructions à la justice qui fait ensemble 32 jours, des efforts pour faire tous les présidents tourner 3 ou 4 bagailles différents en 132 jours. Mais un bagaille consistant dans 132 jours, il y a 4 composantes qui tournent les présidents. Et chaque jour qui passait, ça qui est intéressant, qui fait que le président va avoir une justice, nous mettons des informations additionnelles chaque jour qui passait dans 132 jours dans 4 composantes. La composante financière, puis clair qu'on y a, comment c'est clair? Elle dit que Dimitri Vov, Réginal Boulos, Samir Andal, Jean, tout le monde qui a une composante financière. Qui l'autre monde qui l'a dit? Comment pour continuer à construire une composante financière pour que Milan, oligarque, assassin et voler ça, qui prend tout le pays en otage, pour nous régler la question ça une fois pour tout. Et c'est même mafia si au Libanais ça, qui a essayé de créer un problème en Saint-Domingue et Haïti. Elle dit Dimitri Vov, avec Boulos. Non, c'est un. On invite l'homme même. Non, parce que... non. Mais d'accord, mais Mounsayo, et bon, il va jamais réagir sur tout ce qu'on dit. On essaie de parler sur l'arrestation Samy Andal. On aurait été focus sur lui, Stanley Lucas. Deuxième, toujours la composante. Deuxième composante, nous avancer là-dedans, le progrès qui fait. Nous connaissons deuxième composante, c'est composante sécurité qui touille le président. Nous connaissons UST, CAPSIM. Et il y a GPN qui était impliqué dans le bacot. À partir de ça, il y a 10 policiers additionnels qui ont mis en bacot dans la composante sécurité. Alors, il y a un mandat décerné, il y a arrêté déjà, non? Bon, mandat décerné, il y a un bacot. Mais dans la composante sécurité, il y a un côté bloqué. Il y a deux côtés bloqués, trois côtés bloqués dans la composante sécurité avant d'avancer. Et l'inspecteur général qui a laissé tous les présidents d'abord et 7 février, qui est-ce qui est caché d'elle? À qui est-ce qui est connecté? Parce que 7 février a été connecté à 7 juillet. C'était une compagnie qui Florida, qui recrutait mercenaires colombiens. À qui est-ce qu'il est connecté? Nous voulons aucune réponse là. Et axe dominicain dans tous les présidents, nous voulons aucune réponse là. Composante sécuritaire. Troisième composante qui est tous les présidents, la composante politique. Nous avons clairement des dignités, Ariel, Badio Joseph, Jean-Claude Joseph et Ladrier. Et nous voulons comprendre, afin que PHTK marche à Premier ministre tous les présidents. Mathélie, vous pouvez répondre à cette question. Donc, il faut que. Et est-ce qu'il y a une composante politique dans tous les présidents? Nous commençons à faire progrès là-dedans. Quatrième composante qui est tous les présidents, la composante judiciaire. Dans la composante judiciaire, nous avons un juge dans le coup de cassation qui a laissé tous les présidents 7 février, il veut qu'elle la préside. Il y a des questions pour qu'on finisse de répondre. Nous avons Wendell Corp qui participe directement dans tous les présidents et 7 juillet. Et qui j'en fait qu'après 132 jours, nous pouvons camarader. L'un des deux pays, qui j'en fait nous pouvons camarader. Toujours dans la composante judiciaire, les Rogaville Bois-Guéné a laissé réinstaller un juge que la police et la justice a cherché parce qu'elle tous les présidents. On bref en dedans ou des contrats qui vient complicité dans tous les présidents. 132 jours à permettre nous tout, en dedans coup d'appel, en dedans tribunal et des référés, des complicités, et c'est mis là pour contrôler tout le système judiciaire. Mabzo Bagay, sous cas magistrat, il veut qu'elle d'Abrésil, on est même pas en partie pris, et pour quel monde dans la vie, c'est tempérament pas moins, c'est position moins. Mais je vais faire une émission sur Ivikel da Brésil. Il y a des vérités pour nous connaître. Ivikel da Brésil, Ivikel da Brésil, Ivikel da Brésil, vous m'avez avancé. Ok. Donc, ça veut dire que nous venons nous compte que la réalité, c'est que le pouvoir judiciaire, un groupe parti là-dedans, c'est dans même la Pétionville, qui n'a tout eu, qui n'a volé, qui n'a kidnapping. Comment va résoudre les questions ça? En détente du système judiciaire. Il faut m'appuyer et Ismaël.
problème que n'a vivons aujourd'hui à et premier et qui est président Jovenel Moïse, c'est premier bagarre n'a vu tout ça. Italie était le même problème non. La mafia italienne était tellement entrée dans l'État italien que depuis ils ont essayé manier une et puis à tout l'autorité de l'État. Son crime juge en Italie qui était fini à tout système non. Qui mettait trois mafias dehors l'État et malmené, démantelé toute mafia qui était dans l'État italien en danger. On crime juge, oui. Je dis à son crime juge, nous besoin en Haïti pour finir avec ça. On crime juge, nous avons besoin d'eux. Où il y a tous les présidents Jovenel là, c'est premier vague changement. Le président commence ses premiers vague changement. Il faut que nous-mêmes, en dedans pays, là. Si nous voulons petit nous respirer dans Matissan, nous voulons petit nous respirer dans le quartier populaire. Nous voulons petit nous respirer dans le grand site blanc et ça a besoin. Et dans quel que soit côté nous y dans le pays, nous voulons que l'État avec nous, ressources l'État a besoin de nous. Pour que deuxième vague changement commence par rapport avec assassin qui n'a tête l'État aujourd'hui. Deuxième vague changement veut dire qui ça, n'est qui là, il faut que marcher. Deuxième vague changement veut dire qui ça. Dossier que le président Jovenel Moïse, il faut que nous commençons le changement. Ma bon exemple de changement qui fait Ismaël parce qu'on va remplir le temps. Un bon dossier Gaza. Non, non, gaz là, oui, bon, qui gaz là? Non, nous faisons même barrière pour grand danse. Question d'être 5 ou 4 contre les gaz pays. C'est pas ça, président Jovenel, ça combat. Et puis là, ça va l'État qui parache Gaza, il n'est pas lâché Gaza, mais chaque département gagne des gaz stockés pour 3 mois. Sans pas besoin de rentrer votre prince. Faut nous retirer à faire 6000 questions ville, volés, assassins, kidnappés, corrompus, qui capturent l'État et capturent tout le monde dans le pays. Pour nous camper bagaille ça. Okay. Premier côté nous prenons camper bagaille ça, c'est régime de rap qui nous met en place là, en dans l'État. Il y a un monopole commercial, il faut qu'on crasse tout. Mm-hmm. Deuxième vague changement, il faut le commencer. Colombien, avec le président Duque, dit qu'il y a une collaboration 100%. Organisation des États américains, à cause de diplomatie, nous, passons une résolution là, côté l'immense, rendre l'autre ministre de la Justice dans la région, collaborer pour aider Haïti à marrer tout criminel qui tue le président Jovenel Moïse. Donc ça veut dire que Colombie connaît que ce n'est pas la science qui bat le président 12 balles. Donc c'est soit Colombie, qu'on va gagner la cassé, l'un joué hypocrite, qui participe dans le crime pour le président. Laisse la diplomatie, nous on va l'obliger, très actif, pendant OEA, pour demander OEA, demander Colombie question sur tout le président. Ou bien Colombie demander pour envoyer par la nation en Haïti. Donc il va ouvrir aider nous dans la justice et puis en même temps on va faire coquin. Deuxième bagaille qui a fait un conseil de gros oligarques qui participent dans tous les présidents, il y a un fait pas en bas qui a fait dans ces domaines, en dans Colombie et Jamaïque, pour pas la science pas venir en Haïti. Et même les gens qui fait pas la science sauver comme autorité de l'État, et nous, qui est-ce qui fait le sauver, parce que Ariel Henry, il a fait interview dans CNN, là, où j'ai parlé parlé des sous Colombiens. Donc, c'est clair lui-même. Mais est-ce qu'on peut Samy Andal abrivé et tourner en Haïti et Stanley Lucas? Absolument, monsieur, il n'y a pas de palestinien, il n'y a pas de haïtien. Monsieur, il n'y a pas de caché en Syrie. Heureusement que, à cause de contrôle qui vient sous frontière et collaboration qui existait, et bon, ministre des Affaires étrangères, qui a une bonne relation avec le pays d'Haïti, monsieur, il n'y a pas de travail pour vous et monsieur, il n'y a pas de nous presser. Merci, Apil.